Il était un des pionniers, un des 7 premiers astronautes de la NASA. Ensemble, ils ont écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, la première exploration spatiale. Sa brillante carrière en tant qu'aviateur s'est étalée sur plusieurs décennies, et pendant ces années, le colonel Gordon Cooper a tout vu. À 22 ans, il était lieutenant dans l'Air Force et pilote d'avion à réaction. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en aéronautique, il est devenu pilote d'essai. C'est alors que la NASA l'a contacté pour l'inviter à se joindre au programme spatial américain. Le 15 mai 1963, Gordon Cooper s'est envolé pour l'espace, sous le regard de toute la planète. Qu'elles aient été présentes au Cap Canaveral en Floride ou devant leur téléviseur en Europe et aux États-Unis, ces millions de personnes ont retenu leur souffle. Le décollage et la mission ont été un succès retentissant. Cooper, le dernier des astronautes à s'aventurer seul dans l'espace, a établi le record du plus long vol par un Américain. Après le vol, le président John F. Kennedy s'est entretenu avec Cooper et a fait ce commentaire. Gordon Cooper est retourné sur Terre comme un héros et un exemple de courage, un symbole des réalisations américaines. Il avait clairement l'étoffe des héros. Mais il y a une autre dimension à cette vie que Cooper a passée dans l'aviation, une dimension dont il n'a accepté de parler qu'avec des amis proches pendant de nombreuses années, du moins jusqu'à aujourd'hui. Cette dimension concerne ses rencontres personnelles avec des ovnis. Tout a commencé en 1951. À l'époque, il volait en Europe pour le compte de la US Air Force. Là-bas, Cooper et d'autres pilotes ont été témoins d'un incident qui n'a jamais été officiellement expliqué. Une vaste flotte d'ovnis volant en formation à très haute altitude. Yolanda Gaskin s'est entretenue avec Gordon Cooper. Dans cette entrevue exclusive, le colonel Cooper a parlé pour la première fois devant les caméras de ses rencontres avec les ovnis. J'ai lu au sujet de cet incident de 1951. Vous avez déclaré avoir aperçu des centaines d'objets volants non identifiés. Oui, ils évoluaient à de très hautes altitudes, mais il nous était impossible de déterminer à quelle altitude ils se trouvaient, parce que nous ne parvenions pas à les approcher. C'était soit de très gros vaisseaux volants extrêmement hauts, ou soit de plus petits engins évoluant plus bas, mais encore trop hauts pour nos appareils. Cela s'est produit pendant une journée et demie. Personne n'a été tenté d'en parler par la suite. Nous avons envoyé un rapport sur l'incident. Des mois plus tard, nous avons finalement reçu une réponse. On nous a répondu qu'il s'agissait probablement de ballons sondes flottants à très haute altitude. Cela ne nous semblait pas très logique. Il y a toujours un tas d'excuses, comme les ballons météo. Ce n'est pas la première fois que j'entends des histoires de ce genre. On confond souvent des ballons météo à des ovnis. Il m'est déjà arrivé de poursuivre un ballon météo en avion, et cela avait vraiment l'air d'une grosse soucoupe volante à haute altitude. J'ai allumé mon réacteur et j'ai grimpé aussi haut qu'il m'était possible de monter. Comme je m'approchais de l'objet, mon visage s'est couvert de honte. J'ai vu qu'il s'agissait d'un ballon météo avec l'émetteur radio accroché en dessous. Mais le fait est que vous pouviez vous approcher de cela. En 1951, vous ne pouviez même pas vous approcher des objets qui vous survolaient, ni vous, ni personne d'autre. Ils étaient à plus haute altitude et ils étaient plus rapides. 6 ans plus tard, Cooper s'est encore retrouvé nez à nez avec un ovni. Cette fois, ce n'était définitivement pas un ballon météo. Alors qu'il supervisait des vols d'essai à la base d'Edwards de la US Air Force, son équipe de tournage a filmé un ovni en forme de soucoupe qui atterrit à proximité. Alors qu'ils filmaient, une petite soucoupe est arrivée. Cette soucoupe est passée au-dessus de leur tête, a abaissé 3 pieds d'atterrissage et s'est posée juste là, dans le lit du lac asséché. Ils ont alors pris leurs caméras et tout en s'approchant de la soucoupe, ils faisaient rouler la pellicule. Quand ils sont arrivés tout près, la soucoupe a décollé, a rentré son train d'atterrissage, a légèrement basculé et s'est envolée à très grande vitesse. Ils m'ont apporté le film et m'ont raconté ce qui s'était produit. Je leur ai demandé de développer la pellicule. J'ai cependant dû respecter toutes les directives en vigueur pour rapporter l'incident. Nous avons alors été contraints d'envoyer le film à Washington via un jet de la base. J'ignore si quelqu'un a revu ce film depuis. Quelle similarité le véhicule que vous venez de me décrire avait-il avec ce que vous avez aperçu en 1951?
Il était très similaire. Il avait pratiquement la même forme que les autres véhicules. C'était une double soucoupe lenticulaire. Si vous aviez à entrer et sortir d'atmosphère, comme celle de la Terre ou d'autres planètes, vous auriez certainement besoin d'un véhicule très aérodynamique. Et la soucoupe a la capacité de pénétrer l'air à des vitesses considérables et de traverser l'onde d'attaque et de traînée sans créer d'onde de choc. Alors elle peut être très silencieuse tout en voyageant à de très grandes vitesses dans l'atmosphère. Mais les observations d'OVNI ne sont pas réservées qu'aux militaires. Cooper a plusieurs collègues pilotes de ligne qui, eux aussi, ont vu des OVNI. Un de mes amis, qui est capitaine pour le compte d'un important transporteur, volait de nuit quand il a soudainement aperçu une grosse lueur. Il a regardé dehors et a vu cette grande soucoupe qui se tenait près de leur aile gauche. Il a alors tourné de manière à s'en approcher, mais la soucoupe s'est reculée. Il est revenu à sa position initiale et la soucoupe a fait de même. Il s'est tourné vers son copilote et lui a demandé « Vois-tu ce que je vois ?» Le copilote lui a répondu « Oh mon Dieu, oui, je la vois ». Et la soucoupe les a accompagnés pendant un bon moment. Puis, soudain, elle a basculé légèrement et a gagné de l'altitude. Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent à l'effet que les astronautes auraient aperçu des ovnis lors de leur mission dans l'espace. Cooper croit que ces rumeurs sont fausses, à une exception près. À ma connaissance, la seule chose ayant été observée durant nos missions dans l'espace, et croyez-moi, nous aurions tous aimé voir quelque chose, l'a été pendant la mission Gemini 7 de Jim McDavitt. Ils ont vu l'éclat d'un objet métallique au loin et l'ont rapporté. Personne au sol n'avait de correspondance pour cet objet. McDavitt a alors essayé d'en prendre une photo, mais le soleil l'éclairait brillamment. La seule chose qu'il a photographiée est un reflet. Il n'y a aucune information sur ce que c'était, et cela n'a jamais été observé à nouveau. Quelques années plus tard, Cooper a approché l'ONU pour leur proposer d'établir un comité qui se pencherait sur le phénomène des ovnis. Parlez-moi de la lettre envoyée à l'ONU. La lettre envoyée à l'ONU l'a été en rapport avec une rencontre que j'ai eue avec Kurt Waldheim et le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objectif était d'encourager l'implantation d'un comité qui pourrait comparer les notes, les informations et les données et qui se chargerait d'étudier la question d'un point de vue tout à fait neutre. Voici un extrait de votre lettre. Je crois que des véhicules extraterrestres et leurs équipages visitent cette planète à partir d'autres planètes et qu'ils sont, selon toute évidence, plus avancés que nous ne le sommes. Et vous dites que c'est pour cela que nos gouvernements ont dissimulé ces informations au public. Très certainement, oui. Peut-être quelqu'un est-il à l'écoute. La NASA a annoncé le projet Origins. Son but, découvrir des planètes habitables en orbite autour d'étoiles situées à proximité de la Terre. Je crois que nous verrons nos gouvernements adopter une approche totalement différente face à la question des ovnis et des extraterrestres. Je crois que la pression qui est exercée sur les gouvernements pour qu'ils rendent publiques les informations qu'ils gardent secrètes va aller en s'intensifiant. J'aime penser qu'ils vont dévoiler ces informations. Avez-vous déjà pensé que nous pouvions être seuls dans l'espace? Avez-vous déjà considéré la possibilité que nous vivions sur la seule planète porteuse de vie? Non, j'ai toujours pensé qu'il y avait une multitude d'autres planètes sur lesquelles il y avait de la vie. Avec le nombre de planètes potentiellement habitables dans l'espace, je crois qu'il serait vaniteux de croire que Dieu n'en ait peuplé qu'une seule.